Pourquoi continuer à vivre cette non-vie qui vous donne l'impression que vous avez perdu le contrôle depuis bien longtemps? J'ai la croyance que vous pouvez vous en sortir seul et facilement avec la méthode que je vous propose. Bonjour, je suis Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI, une méthode qui peut vous sortir de vos peurs incontrôlables ou de vos réactions émotionnelles excessives. Très simplement, très facilement et en autonomie. J'ai décidé de partager avec vous des extraits de mon nouveau livre, AutoNERTI. Et dans la vidéo précédente, je répondais à la question « Faut-il suivre toutes les sensations lorsqu'on pratique le processus de libération de la méthode NERTI ?» Et bien, dans cette vidéo, je résume le déroulement d'une séance à froid, c'est-à-dire en dehors du moment de l'hyperréactivité. Donc, je rappelle, je m'imagine que je me mets dans la situation que j'ai choisie. Quand je m'imagine ça, j'observe ce que ça fait dans mon corps. Je sens, par exemple, ça me gratte la gorge. Par exemple, j'ai la tête qui tourne un peu. Par exemple, je sens mes pieds qui chauffent. Ok, j'en ai trois. Donc maintenant, je me concentre sur la gorge qui gratte, la tête qui tourne un peu, les pieds qui chauffent. Je me concentre sur ces trois-là, sur tout ce qui se passe dans mon corps. Je laisse tomber ma situation de départ. Je ne m'en occupe plus. Je reste que là dans mon corps, ce qui est en train de se passer. Et là, j'observe que le truc qui gratte à la gorge, finalement, ça se déplace par là. Qu'en même temps j'ai la poitrine qui commence à se serrer. Voilà. Et là je suis en train de suivre ce qui est en train de se dérouler. À un moment je sens que j'ai l'impression de basculer, j'ai l'impression que ça bascule, comme si j'avais les pieds qui se levaient, comme si j'ai l'impression de tomber en arrière. Alors je me laisse tomber en arrière, je laisse cette sensation de faire, puis après hop ça se passe, puis finalement j'ai l'impression que ça revient bien, je sens plus trop mon bras droit, puis après je le sens de nouveau, et puis j'ai l'impression qu'il est trois fois le volume, voilà, et ok, et puis après hop ça revient, et puis là je me trouve normal. Là, je suis normal, ok. J'ai les yeux fermés, je sens bien mes jambes, je sens bien mes bras, je vérifie. Pas l'impression que ça flotte, non, pas l'impression que je tombe, non, pas l'impression que ça tourne non plus. Ok, j'arrête. Voilà, donc là, je viens de faire mon nettoyage. Suivre les sensations qui évoluent dans votre corps, encore et toujours, c'est la clé de la libération. Si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, je vous rappelle qu'il s'agit d'un extrait d'une série de vidéos et que pour effectuer votre ou vos libérations émotionnelles, vous avez besoin de l'intégralité du processus. Vous pouvez y accéder en vous abonnant ou en vous inscrivant sur nerti.fr. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime, vous la partagez à tous vos amis. Et dans la prochaine vidéo, je vais poursuivre mon explication du déroulement d'un nettoyage nerti à froid. Donc prenez soin de vous et à bientôt.